Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog improvisé, je vous avoue. Parce que du coup je me suis lancé le rythme, pas le challenge, le rythme de faire une vidéo par semaine. Pour l'instant, ça fait 3 semaines, je m'y tiens. On croise les doigts. En fait, il y en a qui vont dire oui, mais t'es abusé, t'as le temps, et rien. Franchement, c'est compliqué hein, déjà d'avoir l'idée de faire un montage. Bah, ça va vite. Et franchement, je suis désolée s'il y a des vidéos moins intéressantes que d'autres. Mais voilà, le temps que je trouve le rythme et tout. Bref. Comme je vous disais, il est. Donc, désolé pour ma tête, hein, c'est la tête du réveil. Voilà. Il est 8h57. Et je suis en train de me faire mon. Petit déjeuner. Ah oui, je vais vous faire aussi une nouvelle recette de granola. Mais vraiment, j'ai testé. Elle est trop bonne. Elle est. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment, c'est. Vraiment, c'est trop bon. Bref, écoutez, ce que je fais, c'est que le programme de la journée, c'est que je fais mon petit déjeuner. Enfin, je prends mon petit déjeuner, il est 8h57. Ensuite, je vais vite fait m'habiller. Je vais aller faire 2-3 courses. Et après, je vais voir en fonction de la journée, je prépare mon petit déjeuner. Mon déjeuner. J'essayais de bosser un peu sur l'ordi. Et puis, je vais vous montrer le projet qui est en train de se faire, entre guillemets, si je peux dire projet. Mais je vous expliquerai ça cet après-midi. Ça sert à rien que je blablate pendant 3 heures. Mais je suis grave contente, je suis grave pressée surtout. Normalement, c'est censé se faire la semaine prochaine. Donc, c'est censé être fini la semaine prochaine. Entre guillemets, la plus grosse partie, c'est censé être fini la semaine prochaine. Et je pourrai enfin commencer. Je prends mon petit déjeuner, on se retrouve après. Voilà. Ça y est, il est 10h. 10h. Hein. Pour être exact, j'ai déjeuné. Bon ouais, je sais, j'ai toujours le même petit sweat, mais en même temps, je vais juste faire 2-3 courses. Je vais pas en défiler de moi. Et voilà, putain, mes lunettes, j'ai l'impression que ça me va de moins en moins bien. Je vais vous montrer mon OOTD. Je suis pas du tout convaincue. Bon, voilà, bien sûr, je vois que mon miroir est sale. Hein. J'étais censée le faire hier, mais j'ai oublié. Donc je vais le faire aujourd'hui. Sorry. Alors j'ai ma veste que j'ai depuis des années. Franchement, ouais. J'ai ce petit sweat crop blanc que j'ai acheté à Bershka la dernière fois. Oui, je pense qu'il est toujours dispo. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Par contre, je sais pas s'il sera en solde. Je l'ai acheté au tout début des soldes, donc. Mais il était pas en solde, bien sûr. C'est la nouvelle collection. Le but des soldes, c'est d'acheter dans la nouvelle collection, bien sûr. Bref. Ensuite, j'ai ce petit sac. Cette petite sacoche que j'ai acheté je ne sais plus où. Mais il n'y a pas de marque, c'est un sac que j'ai acheté pour que dalle, qui est hyper pratique. Et j'ai ce petit pantalon pas de delphes que j'ai depuis des années aussi. Et bien sûr, cette petite chaussure que j'ai depuis un an, je crois. Enfin bref, on est tous vieux habits. Et on va faire les courses quoi. C'est parti. Hey, bon, je vais me tenir comme ça parce que j'ai pas plus haut. Alors, il est 11h04. C'est bien, j'ai fait les courses en moins d'une heure, donc je suis contente. En même temps, j'avais pas grand chose à prendre. Je vais vous faire un petit retour de course vite fait. J'ai pris des petites tomates cerises parce que ça va me servir aussi à faire des recettes. Et oui. Donc des petites tomates cerises. De l'huile d'olive, mais ça c'est la base, on a besoin tous les jours. J'ai pris du basilic. Du basilic et de la ciboulette. J'ai mis des petits citrons. Je sais, c'est pas bien de consommer beaucoup d'avocats, mais j'en ai besoin pour faire des recettes. Du coup, vu que j'en ai besoin bientôt, j'ai pris des avocats mûrs à point. Alors, c'est pas forcément le mieux, mais bon. Personne n'est parfait, sorry. J'ai pris des bananes aussi. La base. Et j'ai pris du saumon. El cucumber. Los tomatos cerita. Bon, je range mes courses et puis on se retrouve après. Je parle, mais d'un amour. There's no happy ending. I'm not seeing the red. You cannot run. Il neige. Attends, il y a 3 flocons. Mais il neige. Je parle pas tout seul. Hein. Je parle à mon chat. Chouki. Oh, il neige, Chouki. Il neige, mais les gars, il neige. Non, mais attendez, je suis une gamine moi pour ça. Je suis trop une gamine, putain. Ouais, il y a beaucoup de flocons. Ah, mon pied. Ah. Ça, c'est le karma, ça. Ouais.
Mais non, pour les gens qui ont l'habitude d'avoir de la neige, ils vont me dire elle est ridicule. Mais oui, oui, je suis peut-être ridicule, mais bon, écoutez, moi qui ai toujours cru que Noël, la magie de Noël, c'était avec de la neige, bah j'en ai pas eu beaucoup des Noëls sous la neige. Donc bon, Noël est passé depuis longtemps, hein. Mais en vrai, non, je suis contente qu'il y ait de la neige. Mais regardez, c'est trop beau. Attendez. Regardez cette beauté avec la neige. Mais non. Et là, il veut manger le fil ou il veut faire des câlins. Regarde la neige. Là, vous voyez, il y a grave des flocons, là. Oh. C'est trop beau. Il y a trop de flocons de neige. Ça y est, on se retrouve. J'ai mis quand même pas mal de temps, je vous avoue. Il est 14h. Et en fait, j'ai perdu au moins 30 minutes à regarder la neige tomber. Ninou. Je vous ai pas filmé parce que je veux faire un test avant. Mais j'ai fait des sushis. Je suis trop fière, franchement. Bon, ils sont pas... je vais vous montrer plus près. Ils sont peut-être pas serviables dans un restaurant, à part eux à la rigueur, franchement, si. Mais en vrai, bon, eux... j'ai voulu faire sans algues. Je sais pas, mon riz, déjà ça colle trop. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau, plus d'eau. Mais ouais. Du coup, ouais, je vais manger et on se retrouve juste après. Dans cette pièce-là, ouais, c'était le bureau, donc là où je faisais mes vidéos. Et en fait, on a décidé de faire un home gym. Ça veut dire qu'on a acheté des poids, des barres. Il y a un rack à squat qui va être monté. Donc dès la semaine prochaine, je pourrai enfin reprendre des réels entraînements pour avoir des vrais objectifs parce que là, j'avoue que je stagne et ça m'énerve. Mais ouais, je suis trop motivée, j'ai trop hâte. Voilà, bon bah écoutez, je vais me doucher et on se retrouve après. Ça y est, j'ai pris ma douche. Alors je suis désolée vraiment pour ma tête, il est 17h30 mais j'ai mis un produit, c'est la Drain Lotion de Marie Badescu. En gros c'est Badescu, je sais pas. Bref, j'ai mis ce petit produit sur ma tête parce que j'ai quelques boutons en ce moment. Bon, il est 18h passé, il est 19h, je me fais un petit thé, je regarde la télé, je regarde Ici tout commence. Bref, du coup voilà, bah écoutez, il fait déjà noir, il fait déjà sombre. Je vais finir ma soirée en débarbouillant déjà. Et puis, je suis désolée de vous dire au revoir avec cette tête là, mais bon, je pense que je vais arrêter le vlog ici, je vais faire du montage et puis j'irai me coucher. Donc bah voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo, le petit vlog d'aujourd'hui dans ma vie entre guillemets vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou autres comme à chaque fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.